valeur ajoutée de la clinique internationale de Mohammedia, c'est des nouvelles prestations pour lesquelles les habitants de Mohammedia et du bassin de la région qui compte à peu près 400 000 habitants, pour lesquels les gens étaient obligés de se déplacer soit vers Casablanca, soit vers Rabat, notamment toute la prise en charge cardiologique, le cathétérisme cardiaque pour la prise en charge des infarctus et des crises cardiaques, la réanimation néonatale, la réanimation polyvalente et l'unité de soins intensifs, qui sont des nouvelles prestations que la clinique propose ici aux habitants de Mohammedia. La clinique internationale de Mohammedia est un établissement qui s'étend sur à peu près 6300 m², composé de 6 étages, qui contient à peu près toutes les prestations nécessaires pour la prise en charge complète d'un patient, en commençant par les urgences qui sont assurées 24 heures sur 24, un service de radiologie aussi qui fonctionne 24 heures sur 24, doté d'une IRM, d'un scanner, d'une salle de radiologie standard, d'une salle d'échographie et d'une mammographie, une unité de réanimation composée de 10 lits, une unité de réanimation néonatale composée de 6 lits, une unité de soins intensifs de 27 lits, un service de maternité de 24 lits avec 2 salles d'accouchement, un bloc opératoire composé de 6 salles de bloc opératoire, ainsi qu'une salle d'endoscopie et de fibroscopie, de bronchoscopie aussi, un service de cardiologie composé d'une salle de cathétérisme cardiaque, une salle d'épreuve d'effort et d'échographie cardiaque. Mon rôle en tant que directeur médical au sein de la clinique, c'est d'abord d'assurer la qualité de prise en charge des soins du patient en assurant tous les moyens nécessaires pour les équipes médicales et paramédicales au sein de la clinique afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, notamment tout ce qui est matériel, médicaments, consommables, moyens techniques. Ensuite, de coordonner entre les différentes équipes qui interviennent au sein de la clinique, l'équipe médicale, que ce soit des médecins internes ou des médecins intervenants externes, l'équipe paramédicale, les infirmières, les responsables de service, les techniciens qui interviennent au sein de la clinique et le personnel administratif. Donc nous avons au sein de la structure vraiment tous les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge tous les patients dans les meilleures conditions possibles.